Seigneur, ce matin, nous te le demandons. Mets en nous la sève tranquille et vivifiante de l'arbre. De l'arbre qui se laisse dépouiller en silence par l'automne, de l'arbre meurtri par les tumultes de l'hiver, de l'arbre patiemment régénéré par l'élan du printemps, de l'arbre mis en joie par la plénitude de l'été. Aide-nous à dire oui aux saisons de ta volonté et à enfouir nos racines inconditionnellement en toi. Donne-nous de ne jamais oublier que ta croix fut taillée dans un arbre. Donne-nous le goût infini de ta passion, de ta résurrection. Donne-nous l'espérance. Amen. Et nous allons chanter le cantique 390. Grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans ce lieu de culte aujourd'hui et une bienvenue toute particulière si vous êtes ici de passage ou en visite. Vous êtes ici, chez vous. Aujourd'hui, nous vivrons un culte un peu particulier, un culte où la louange sera vécue, la parole entendue, la Sainte Cène célébrée, mais aussi ce temps d'imposition des mains pour ceux et celles qui le souhaitent. C'est une démarche communautaire que nous avons préparée depuis plusieurs semaines. L'imposition des mains, c'est un geste tout simple qui veut redire symboliquement la présence et la proximité de Dieu qui vient nous toucher au plus profond de nous. Geste de tous les temps et de toute l'Église pour remettre quelqu'un particulièrement à Dieu ou déposer un fardeau, un souci. Nous avons tous déjà fait cette expérience de partir en balade avec un sac un peu trop lourd, trop rempli. Eh bien, dans la vie, c'est parfois un peu pareil. C'est comme si on transportait sur notre dos un sac dans lequel s'entassent
au fur et à mesure plein de choses et parfois des choses qui pèsent. Il y a des soucis, il y a des blessures, il y a des deuils, il y a des problèmes de santé et parfois tout cela finit par faire lourd et on peine à avancer. Parfois aussi, on peut avoir un peu peur de ce que la vie nous réserve. On se demande ce que l'avenir a pour nous. Et on regarde plutôt derrière soi que devant nous, un peu à l'image de la femme de Lot, qui nous rappelle que Dieu ne veut pas que nous soyons prisonniers de notre passé. Ce matin, avec ce culte, Dieu nous offre une nouvelle fois la possibilité de déposer au pied de sa croix tout ce qui est trop lourd pour nous et nous empêche d'avancer. Et c'est une belle démarche communautaire ainsi que nous vivons entre ceux qui seront portés et ceux qui portent, une seule communauté. Nous voulons encore louer le Seigneur avec un beau psaume, le psaume 45, dont nous chantons les strophes 1, 2 et 4. Vie parfois difficile dans ce monde si souvent inquiétant, nous peinons, Seigneur, à entendre ta voix douce et rassurante. Nous prenons alors ton silence pour l'indifférence, la liberté que tu nous as laissée pour de la distance. Rends-nous réceptifs à ta parole. Donne-nous ce matin d'entendre ton évangile comme un brin d'espérance, comme une lumière au fond de la nuit, comme cette main que tu nous tends pour nous relever. Ta puissance, ta toute puissance, Seigneur, est celle de l'amour, et tu la mets en œuvre toujours et encore pour me rejoindre au creux de ma faiblesse. Puisse ta parole me redire combien à chaque instant je peux compter sur toi. Amen. Nous lisons dans Genèse, au chapitre 32, les versets 23 à 32. Cette même nuit, Jacob se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et il passa le gué du Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent, puis il fit passer ce qui lui appartenait. Et Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore.
Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur, qui se déboîta, alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit, « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. » « Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. » Il reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « De grâce, « indique-moi ton nom. » « Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom ?» Là même, il le bénit. Jacob appela ce lieu Peniel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Le soleil se levait quand il passa Penuel, il boitait de la hanche. Frères et sœurs, pour vivre ce temps de l'imposition des mains, moment important de notre vie communautaire, un geste précieux, on l'a dit, profond, tout simple, que l'on peut vivre sans emphase, pathos ou caractère sensationnel. Tout au contraire, c'est dans la simplicité et l'humilité que l'on veut proposer de vivre en communauté ce geste qui redit la mystérieuse proximité aimante de Dieu. Il ne s'agit pas, par cette démarche, de voir une efficience particulière dans le geste lui-même, on l'a dit. C'est parce que nous plaçons notre confiance en Dieu, et en Dieu seul, que nous croyons que quelque chose de l'amour de Dieu peut être vécu à travers ce geste, qui pour lui-même n'a pas de valeur intrinsèque. Il ne s'agit pas non plus de vouloir par là contraindre Dieu, ou le capturer, mais au contraire, se laisser ressaisir par lui. La prière, non pas comme demande, ou pire, exigence, mais comme désir de se laisser rejoindre, de s'ouvrir, et pas simplement par notre pensée, mais en profondeur, à la sollicitude de Dieu. Et j'ai eu envie de m'arrêter ce matin avec vous pour préparer ce geste, sur ce beau mais très intrigant texte de la Genèse. Jacob est un personnage étrange. Il est à la fois un des grands patriarches d'Israël, ne parlons pas du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais en même temps, il n'est pas vraiment à sa place. N'a-t-il pas volé la bénédiction qui, de droit, revenait à son frère ? Il est à la fois celui qui trompe et dérobe la bénédiction, il est également le trompé lors de son mariage, puisqu'il ne se retrouve pas d'abord avec la femme qu'il convoitait. Tout ça pour dire que Jacob ne doit pas être très au clair dans sa relation avec Dieu. Il sait bien que Dieu n'est pas dupe et qu'il connaît le fond de l'histoire. Alors il peut tricher avec son père aveugle, avec le peuple, mais pas avec Dieu. Jacob est entraîné dans une histoire qui le dépasse et qui l'empêche vraiment d'être en paix avec lui-même. C'est comme s'il était un peu contraint désormais de jouer un rôle, un sentiment que parfois nous connaissons nous aussi. Non pas parce que nous ayons intentionnellement trompé qui que ce soit, mais parce que nous connaissons aussi cette impression de ne pas vraiment montrer aux autres
qui nous sommes vraiment. Il faut parfois, en effet, se montrer tel que les autres attendent de nous que nous apparaissions et non pas tel que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et sans aller jusqu'à ces personnes qui arrivent parfois à avoir des personnalités complètement dichotomiques à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde, nous pouvons parfois vivre assez longtemps avec ce sentiment d'imposture ou de décalage entre ce que nous montrons et ce que nous sommes, et en souffrir. La bénédiction que Dieu nous offre et qui nous est rappelée ce matin par ce geste de l'imposition des mains est l'accueil inconditionnel de Dieu sur qui je suis vraiment, au plus profond de moi. Une bienveillance sans faille sur mon être profond. Elle me permet d'en finir avec le douloureux et inutile jeu de cache-cache avec Dieu, avec les autres, avec moi-même. Jacob avait voulu se bénir lui-même au début de l'histoire. Or, on ne peut que recevoir la bénédiction de Dieu. Il va devoir cette fois-ci la recevoir, non comme un usurpateur, mais pour ce qu'il est vraiment. Jacob a donc besoin de se sentir personnellement béni pour ce qu'il est profondément. S'ensuit alors ce magnifique et intrigant passage de la lutte de Jacob la nuit durant avec son assaillant. Qui est cet assaillant? Difficile de savoir, et le texte du reste n'est volontairement pas très clair, on se perd un peu en savoir qui se bat avec qui, contre qui, avec quel nom. Le texte du reste est volontairement ambigu. Mais je crois que l'on peut voir à travers la figure de l'assaillant tout ce qui nous contrarie, toute l'adversité qui nous arrive et qui inéluctablement crée un contentieux avec Dieu. Dans l'adversité, il y a quelque chose d'un combat avec ou parfois même contre Dieu. Cette lutte est rude, elle dure toute la nuit pour Jacob, et Jacob, même s'il ne perd pas, n'en sort néanmoins pas indemne. Il boite. Comme toute adversité, si on la traverse, elle laisse des traces. Pour Jacob, c'est peut-être cette image qu'il donne de lui-même et qui l'empêche d'être béni, qui va être démoli. De fait, c'est cette lutte qui permettra finalement à Jacob d'être béni. On entre là alors sur un terrain délicat, sur la valeur ou le sens de la souffrance. Je ne crois pas au caractère pédagogique de la souffrance, de l'adversité, comme si Dieu nous l'envoyait in fine pour notre bien. Non, je crois que Dieu nous aime trop pour nous voir souffrir et vouloir cette souffrance. En revanche, ce que ce texte met en lumière, c'est qu'il ne faut pas pour autant regarder toute adversité comme une malédiction, comme un temps dont on ne peut rien retirer, sinon malheur et désolation. Un temps sans Dieu, un Dieu où Dieu nous aurait abandonnés. Non. Certes, la souffrance n'a pas de sens, n'a pas de valeur pour elle-même. Mais il peut y avoir un chemin de sens à travers la souffrance. On peut essayer de la vivre, là aussi, comme un lieu possible de bénédiction. C'est vrai que nous avons tous fait plus ou moins cette expérience, que c'est le plus souvent dans des moments d'adversité que l'on arrive à découvrir qui l'on est vraiment, et que l'on peut ainsi sentir cette proximité de Dieu. Je crois que ce texte de la lutte de Jacob nous apprend aussi que la bénédiction ne vient pas seulement quand tout va bien, car c'est au cœur même de la lutte que Jacob est béni. Non pas la bénédiction comme absence de souffrance ou fin des souffrances, mais la bénédiction dans la bagarre.
Cette bénédiction, c'est le oui de Dieu pour ta vie, quelle qu'elle soit, indépendamment de ce qui peut te blesser. Incroyable texte, où Jacob non seulement lutte, mais demande, exige même d'être béni. « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni, » dit-il. Et Jacob est alors béni. Il est béni là, là, au cœur de la lutte et de la nuit, là où ça fait mal. Il est béni quand il a donné son nom, c'est-à-dire quand il s'est dévoilé dans son identité profonde et dans sa faiblesse. Cette bénédiction lui permet alors d'advenir finalement à qui il est vraiment. Elle est comme un enfantement qui est symbolisé par le fait qu'il reçoit un nouveau nom. Ce texte est absolument magnifique. Il nous redit combien, au cœur de nos luttes, Dieu est présent. On ne sait plus toujours si on se bat contre ou avec Dieu dans l'adversité, mais il est là. Et il est le seul à nous permettre de vivre ces luttes comme des lieux possibles d'un redépart dans la vie. La bénédiction va permettre à Jacob de cesser de tricher ou de jouer à cache-cache. Et Dieu nous fait aujourd'hui la même proposition. Quand nous nous sentons écartelés entre ce que la vie fait de nous et ce que nous sentons que nous pourrions être ou devrions être, quand nous nous sentons parfois un peu en pièces détachées, meurtries par les coups de la vie, le Seigneur nous offre sa bénédiction. Une bénédiction qui n'efface pas la blessure, mais nous permet de redevenir nous-mêmes, de nous sentir soutenus, aimés, bénis, quoi qu'il arrive. La bénédiction, par définition, n'appartient à personne, si ce n'est à Dieu, en tout cas pas à celle ou celui qui l'administre. Elle nous dépasse largement. Et il faut toujours nous attendre à infiniment plus que ce que l'on peut faire soi-même. Il nous faut croire dans l'acte de bénir que Dieu peut multiplier l'effet de nos petits gestes. Le Talmud, dans sa sagesse, nous rappelle qu'il n'y a de bénédiction pour ce qui est compté, pesé ou mesuré. La bénédiction échappe à toute mesure, mais de loin pas à tout effet. Parfois, nous pourrions être gênés de demander la bénédiction comme si elle était pour les autres, pour ceux qui en ont vraiment besoin, comme si je devais attendre que Dieu décide de me bénir, mais que ce n'est pas à moi de le demander. Or, regardez notre texte. J'aime ce moment où Jacob insiste pour recevoir sa bénédiction. Encore une fois, ce verset intriguant, « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. » Il la veut et il l'aura, sa bénédiction. Je crois en fait qu'on n'est jamais assez béni, qu'on peut toujours se risquer à la bénédiction. Certes, il ne s'agit pas de vivre ce temps fort particulier de l'imposition des mains à répétition, ce qui finirait par en diluer la portée symbolique. Mais la bénédiction ne doit pas pour autant rester un geste rare ou exclusif. Dieu est un Dieu généreux qui veut nous bénir richement au quotidien, dans ce que nous vivons d'heureux ou parfois de plus difficile. Cette bénédiction, nous pouvons la vivre ou la sentir se poser sur nous très simplement dans notre prière matinale, ou dans un moment de grâce simple mais particulier, à l'écoute d'une belle musique lors d'une promenade dans la nature, dans le silence de sa chambre. Mais parfois, on a besoin de vivre cette bénédiction, d'aller la chercher, à l'image de Jacob qui la quémande, lors d'un moment particulier, comme celui que nous allons vivre ce matin, où l'on accepte de se laisser rejoindre et toucher à tous les sens du terme, non seulement dans notre foi, mais aussi dans nos émotions. Je l'ai dit, je ne crois pas à l'efficience du geste en tant que tel, encore moins faudrait-il attribuer à celui ou celle qui l'opère un quelconque pouvoir.
qu'il n'y a pas de magisme dans ce geste, mais ce geste tout simple nous redit de manière forte et intime, au-delà de l'explicable et du raisonnable, cette présence de Dieu qui nous bénit en dépit de tous nos combats et nos blessures, pour donner la force de nous relever, en ravivant au plus profond de nous son alliance d'amour. Une bénédiction que le Seigneur nous offre gratuitement et qui peut être vécue comme la possibilité de renaître à soi-même, comme l'occasion d'un relèvement, comme la chance de reprendre sa route avec une force, une confiance et une espérance renouvelée. Amen. Pour confesser ensemble notre foi avec le texte que vous trouverez dans le feuillet. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons à sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint, malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est offert à tous. Amen. Je vous invite à reprendre place et avant que nous entrions dans
la liturgie de scène, je me dois de vous donner quelques explications et indications pratiques. Nous vivrons le temps de la Sainte Cène par défilé, selon les indications qui vous seront données par Alain, notre conseiller de paroisse. Nous commencerons par cette travée, puis la deuxième, et enfin la troisième. Vous défilerez par cette travée centrale, vous reviendrez par l'extérieur. Du vin et du jus de raisin, comme à l'habitude, vous seront proposés après le pain. Lorsque vous aurez communié, vous reprendrez cette travée ici et vous pourrez soit reprendre votre place tout naturellement ou aller vers un des deux lieux de petits groupes qui vous attendront pour recevoir l'imposition des mains à l'arrière du temple. C'est pourquoi nous avons, pour donner un peu d'intimité, laissé les derniers bancs libres. Et puis c'est Daniel qui vous accueillera si d'aventure les deux postes pour recevoir l'imposition des mains sont déjà occupés. Daniel vous fera simplement attendre sur un des bancs à l'arrière. Vous pourrez à ce moment vous préparer tranquillement en prière et quand une place se libère, Daniel vous indiquera où vous pourrez aller. Si vous souhaitez recevoir l'imposition des mains, vous pourrez soit indiquer les raisons qui vous incitent à recevoir ce geste, soit ne rien dire. Vous êtes tout à fait libre. Pendant ce temps, l'assemblée en alternance vivra des moments d'écoute de la musique ou de chant, une musique et des chants plutôt priants. C'est vraiment l'idée que l'assemblée soit à la fois celle qui porte dans la prière ceux qui reçoivent ce geste. Nous chanterons ainsi doucement, nous garderons notre enthousiasme pour le dernier chant, pour plutôt avoir un chant priant que j'allais dire prédicant. L'équipe des célébrants communiera en premier afin de gagner leur place à l'arrière du temple. Nous allons maintenant entrer dans le temps de la scène et j'invite Vincent et Natacha à me rejoindre. Préparons-nous à vivre ce moment en nous rappelant comment le Seigneur a institué le repas au soir de sa passion. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Notre Dieu Seigneur, Jésus-Christ est ta nouvelle venue au milieu de nous. Par lui, nous entendons les mots de ton amour. Par lui nous parvient la nouvelle que toi, Dieu, tu ne laisses personne se perdre dans la souffrance, le mal ou le désespoir qui vient des blessures de la vie. Par lui nous arrive la nouvelle qu'aucun vivant n'est condamné au péché ou à la médiocrité. En lui, tu nous révèles que toi, Dieu, tu viens toi-même guérir et relever les vivants de tout ce qui les accable et les empêche de vivre dans le déploiement de leur dignité humaine. Nous t'en prions. Fais de la place au cœur de nos soucis et de nos craintes, fais de la place au cœur de nos travaux et de nos désirs, afin que maintenant nous ouvrions notre vie à la nouvelle de Jésus-Christ qui vient fixer l'espérance dans le monde et pour le siècle des siècles. Amen. En restant assis, je vous invite à prendre l'Agnus Dei au numéro 130. Christ Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, prends pitié de nous. Christ Agneau de Dieu, Thank you.
le pain que nous rompons, et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, envoie sur nous maintenant ton Esprit Saint pour qu'en recevant ce pain et en buvant à cette coupe, il nous soit donné de sentir la réalité de ta présence au plus intime de notre vie. Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors nous voici, Seigneur, avec notre foi et nos doutes, notre force et nos faiblesses. Tu nous acceptes tels que nous sommes et nous t'en rendons grâce. Et je vous invite à dire tous ensemble la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Sur nos chemins d'errance, au plus aride de nos déserts, au creux de nos désespoirs, Seigneur, tu nous as rejoints et nous te rendons grâce pour l'eau et le pain de ta présence. Béni sois-tu pour la force et l'espérance que tu nous donnes. Béni sois-tu pour ton envoyé le Christ, dont la parole nous nourrit, dont la vie et la mort éclairent et fortifient les nôtres, dont l'accompagnement fidèle nous encourage à tenir. Donne-nous d'être à sa suite, et les uns pour les autres, des compagnons de route, qui veillent à ce que ce personne ne reste arrêté au bord de la route, pour parvenir ensemble jusqu'en ton royaume. Amen. Après ce moment intense, quelques annonces qui nous ramènent dans l'ordinaire de la vie de notre communauté, pour vous dire qu'il y a déjà différents rendez-vous cette semaine. Je mentionnerai notamment la célébration de Pâques à Arcanville. Il y a aussi le vendredi, il y a aussi le Café Contact à Malagnou mercredi. Mais il y a aussi pour la Semaine Sainte tout un programme de recueillement chaque soir de la semaine à la chapelle à 6h30, ici à Champelle. Mais avant cela, nous aurons le culte des rameaux pour entrer dans la Semaine Sainte dimanche prochain. Un culte qui sera aussi très fort en émotion, pas pour les mêmes raisons, mais c'est un culte que nous allons célébrer avec l'association Contact Jeunes, un culte vraiment pensé pour toutes les générations, sur le thème « Êtes-vous satisfait de votre Dieu ?» Je ne vous en dis pas plus. Mais à l'occasion de ce culte, où il y aura aussi une animation pour les enfants, nous aurons le grand privilège de vivre le baptême de Coralie, d'Outa et la confirmation de Célestine Meyer, deux étudiantes qui ont fait tout un chemin de foi depuis cet automne et qui ont souhaité ainsi demander le baptême et recevoir leur confirmation, ça va être un beau moment là encore de vie communautaire qui sera poursuivi dimanche prochain par l'après-culte et un repas communautaire buffet canadien. J'espère que un certain nombre d'entre nous pourront prolonger ainsi par cette belle agape. Tout à l'heure, Daniel a préparé pour nous l'après-culte. Je vous encourage à y rester pour prolonger ce moment autour d'un café ou d'un verre de jus ou de vin. Mais maintenant, nous allons encore chanter, nous allons beaucoup chanter, mais cette fois-ci, ce sera l'occasion de vivre aussi le geste important de l'offrande. C'est le cantique 392.
chemin de mes doutes, de mes peurs et de mes défaillances, se trouve toujours Dieu, qui, jour après jour, me donne la mesure de foi, de courage et d'espérance dont j'ai besoin pour vivre et grandir. Et nous allons recevoir maintenant la bénédiction de Dieu. Que l'amour de Dieu, notre Père, que la grâce manifestée et accomplie en Jésus-Christ, que la communion de l'Esprit-Saint soit avec vous chaque instant, chaque jour. Allez dans la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Amen.